là, nous sur le nerf de la guerre. Je prends des décisions pour me donner une explication à moi-même. Parce que comme je dis, c'est promoteur, ce n'est pas mon président de compagnie encore. Nous sommes conseillers bien dans l'administration. Mais c'est juste bon pour me venir moi-même pour me dire. Parce que son projet me tenait à cœur. Pour moi, son bébé. Chaque moment, moi, pour problème, je suis toujours pareil pour me protéger de ça. Et c'est pour ça moi, là, je dis, hein, pour me parler avec vous, la presse, là, je toujours dit, pas gain évolution, pas gain aucun pays qui a grandi, qui a sorti sans la presse. Regardez comme même là, ça m'a dit, là, dans moins que 5 minutes, le monde entier est capable d'entendre. Ça, c'est grâce à moi. Et m'a dit, nous, merci, merci pour l'invitation, nous répondons à lui. Et là, nous campons au nerf de la guerre. C'est-à-dire que dans le nerf de la guerre, c'est dans le système d'irrigation. C'est lui-même, c'est un système d'irrigation qui est moderne, qui est dans le Caraïbe. Ça veut dire tout ça. Pour un système en 24 heures, qui a causé 1200 hectares. Si nous avons fait l'irrigation en 24 heures, mais comme l'irrigation ici, par exemple, nous, là, on a nourri les pompiers au campé, c'est parce que bien, la pluie qui est tombée hier soir. C'est-à-dire que la pluie est tombée. Ça veut dire qu'il y a une irrigation qui est naturelle, il n'y a pas une nécessité pour user là, aujourd'hui. Trois pompes, c'est des pompes, c'est des puissantes pompes. Chaque grain a une capacité, une puissance de 125 chevaux. Ça veut dire qu'il y a trois là, il y a pratiquement 375 chevaux. C'est ça qu'il a pour pomper tout le champ. Et me disons encore, il y a une capacité pour irriguer, pour user, pour créer là, pour tout le monde comprendre. 1200 hectares, disons presque 1000 hectares. Non, 24 heures dedans. Et chaque 24 heures. Le gros système, tu as regardé son système de filtration, c'est de l'eau. L'eau. Non, là, je vais montrer nous la classe. Son système de filtration, qui a 27 filtres. Le système là, qui vient de fonctionner, sous chaque filtre, ça y est, on commande ici ou ça, on est capable de laver tête. Mais il n'y a pas besoin. C'est à la main, c'est manuel pour le laver. Automatiquement, ça, il y a un système automatique. Il est propre tête. Nous avons 27 filtres, ça veut dire que l'eau à l'œil saute dans le réservoir. Nous avons un réservoir 7 millions de gallons, comme vous voyez, il y a un filmé déjà. Réservoir 7 millions de gallons, 7 millions de gallons de l'eau. Ça. Nous avons 15 puits à travers le champ. Nous avons pompé de l'eau dans le puits, de l'eau en venir dans le réservoir directement. Et puis deux réservoirs. L'eau a passé, nos turbines, les entrées là, nous campons sur l'autre mini réservoir, c'est sous les pompes qui sont installées. Elle dit en principe, système ça, ce système qui est capable de marcher avec un smartphone. Donc, si nous avons un système fibre optique, nous, l'État a pris en Haïti, nous n'avons pas même besoin de mains qui pour être ouvertes, tout va, nous parlons ensemble tout à l'heure, qui regardent ça. Mais comme. J'aime ce que nous système en avance par rapport à milieu. Mais nous avons une très proche, nous tendons à faire campagne sur mon quatrième secteur qui est les services et on donne un balai de BPO. C'est-à-dire tout ça, on ne peut pas faire un BPO, son bagage, on internet rapide. C'est-à-dire moi-même, je vais vous mettre pour que le pays d'Haïti, ça arrive, que nous ayons internet, qu'il faut. Parce que pas un développement, il y a deux bagages qui vont être développement sans lui. Communication avec énergie. On ne peut pas parler de développement sans deux secteurs. Et il dit nous-mêmes, nous connaissons que le travail est difficile, mais nous avons le travail. Pour permettre que le pays gagne énergie et le gagne des moyens de communication. C'est-à-dire que les fibres optiques nous avons aujourd'hui en Haïti. Nous avons presque quatre gavines de services de communauté. Qui peut permettre un système comme ça, n'importe dans nous, parce que c'est comme ça le fait dans tout le pays, qui peut obliger à faire une grosse plantation comme ça. Par exemple, on a qui décide de faire 10 hectares, 5 hectares. Ou bien dans un bureau pour dire on peut là nous font vous aider et pour pas smartphone pas ou bien il y a un programme dans sous pas pour monter et pour vous aider ou un problème ils vont alerte ils vont que on va péter et puis là ils sont vos techniciens rangés les bails et puis pour me dire nous c'est ça moi-même je dis là on parle d'innovation faut qu'on capte bien des mondes d'apprivoiser dans le pays parce que les rêves il faut nous capter ouais autour c'est pas des rêves pas des rêves que nous pas ouais ou jamais réaliser moi-même rêve pas c'est arrivé à faire des débats dans le pays d'Haïti pour innover, pour que l'innovation soit aux jeunes et capable de profiter d'eux. Nous avons un réservoir là de 7 millions de gallons, disons 20, entre 25 et 27 000 m3 d'eau
C'est ça que nous avons là. Mais qui côté de l'eau ça? Si nous avons un petit caille de l'autre bord là. Si on a 15 petits cailles, 15 maisonnettes comme ça. Chaque maisonnette ça a son puits. En dedans, il y a une pompe. Et le système électrification est fait souterrain. Et nous fiers pour nous dire que nos compagnies haïtiennes qui ont fait tout ça. J'ai dit que sont haïtiens qui pratiquement une formation dans le réseau, dans l'électricité. Et c'est eux-mêmes qui ont fait tout le système ça là. Tout système câblage là, ça veut dire nous avons un système câblage souterrain. Si nous regardons là, nous avons un tuyau qui a pompé de l'eau, qui a vidé de l'eau, descend deux points de ça. Toute l'eau ça, c'est de l'eau qui saute dans le puits ça. Qui vient là. Le nous emmagasiner, quand on est campé là, nous exactement campé sous tunnel ça pour l'eau passer pour aller dans pour aller entrer dedans. Côté me souhaite montrer nous pompiers pour que pompage a fait pour nous arroser jardin. Ça c'est le nerf de la guerre. Et c'est lui-même sans de l'eau, il y a deux bagages importants pour nous qu'on est clair. Dans l'agriculture, on n'a pas les ça, on n'a pas l'agriculture tout bon. Ça n'a pas là. C'est irrigation, c'est drainage. Ça veut dire faut qu'il y ait un côté pour évacuer de l'eau, le gain la pluie. Et il faut nous donner de l'eau pour nous user le gain soleil. C'est-à-dire, ici, la partie ça, montrez-nous là, c'est partie d'irrigation. Drainage, on a bien pour nous well, tout à l'heure, parce que nous avons presque 42 km de drainage en dedans ici, là, complet. 1000 carreaux, disons 1200 hectares environ, c'est tout ça. Plantation et infrastructure. C'est qui est-ce? Et plantation et infrastructure. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il y a bien 20% qui allait dans l'infrastructure et puis reste à ces plantations. Mais il faut nous dire, il faut nous clair. Pour nous parler de contrat que nous signons, parce que nous avons nous venons sur ça tout. Son contrat signé pour nous respecter sous 3 ans. Mais ce n'est pas ici là seulement pour le planter pour le contrat respecter. C'est un pile terrain dans la zone pour le planter. Parce que nous sommes une zone pratiquement qui 65 000 hectares. C'est sous soi là. Disons presque 55 000 hectares. Nous parlons de région, ça. Sorti de limonade pour arriver jusqu'à Malfetti. C'est un cœur tout système. C'est-à-dire, nous avons parlé de nous pompiers. Mais. C'est un coup, j'en donne les mounes, je dis, on est en termes de première classe. Il dit, pompier, c'est chaque système, ça, c'est des cerveaux intelligents qui commandent les pompiers. Il dit, pour que nous on va dans champ, peut-être à 7 km, mais ouvert, et puis pompe-là, l'étape marché, par exemple, l'étape pour un régime qui t'a pris 30%, et puis ouvert, va dans le monter 35%. C'est des commandes, nous songeons, je me dis, nous parlons de droit compliqué, de droit, nous avons 1, 2, 3 commandes. Il dit, chaque séance. Il dit, ça, c'est eux-mêmes, c'est des machines qui sont extrêmement importantes. Et parce que vos soeurs comme ça, vous avez des machines comme ça pour commander. Tout le temps, on a bien des problèmes. Pas fréquent pour bien dans comme ça. L'autre système de contact que vous avez gardé là, eux-mêmes, c'est des démarreurs qui viennent pour partir dans la pompe. Pomper de l'eau dans le tuyau pour aller dans le réservoir. Ça veut dire que son parti nous voit peut-être 4 puits et puis nous voit l'autre bois net. Tout à l'heure, nous voit l'autre côté, il y a un placement pour l'autre 11 puits que nous avons. Ok? Nous sortons dans le système de filtration, nous montrer nous en voir. C'est-à-dire que l'île son ligne de 20 pouces. Nous regardons les gros sur le tuyau à tout, nous ne pouvons pas prêter attention à ça. Mais l'île, ça a. Il est arrivé juste dans le point de terrain en haut. Maintenant, là, c'est l'autre système de filtration secondaire. L'autre, là, c'est le système primaire. Là. L'autre de l'eau a fini de filtrer. Ça veut dire gros filtration, elle vient de subir. Il est arrivé là. Il prend l'autre type de filtration qui arrive jusqu'à 120 microns. Là, on a parlé de microns. Ça veut dire, pour nous comprendre, c'est un coup l'eau pour une toile. C'est dit wap fon ou bien on passoire wap fon jus wap vider et puis il y a des pailles qui étaient passées. C'est ça, elle dit là système filtration ça que nous avons là il pas quitté presque rien passé pour aller dans système goutte à goutte là parce que l'eau de l'eau saute là dans système ça là il directement dans ligne goutteur que moi le visiter avec nous dans petit ligne tuyau parce que me dit nous songe me dit en pile dans la presse moi dit site là 150 km PVC en batterie. Nous gagnons 1750 km tuyaux en polyéthylène. Petit tuyau noir ça. Ça veut dire ça c'est dernière phase, c'est la dernière station que de l'eau arrive, le sautillant, l'aller dans le tuyau noir directement. Tous les trois pompiers ont canalisé vers ça. Toutes, net. Ça veut dire l'arrivé là. Ça veut dire les sautillants en 20 pouces et puis les réduits en 16.
en 18, 16, 12, 8. Mais dernier niveau, c'est 4 pouces. Là, il va 4 pouces et puis là, aller dans le tube qui est allé dans bananier directement. Là, on va visiter la plantation de l'autre bord. On va montrer une tuyau au côté. Oui. Ça veut dire là, nous n'en presque dans point de chantou. Ça veut dire pratiquement toute partie ça nous est là, qui est en vave sous lui. Ça veut dire parer pour planter. Ça veut dire plantation graduelle. Chaque semaine, on a une quantité de bananes qu'on a plantées. Elle a dit, mais tout ça paraît déjà. Il est presque 11 et 24. On dit 3 fois 8, disons 24. Ça, il est 11 et 8. Ça, 11 et 8. Puis là, 11 et 8. Là, le conseil de voir en tête, c'est ça, c'est le principal. Là, chaque commande. Là, il y a un là. Là. Là, et puis où est le bouteille est tombé dans la place. Est-ce que là, je pour je ne sais pas, mais il y a des paroles qui parlent, qui prêtent à confusion. Et puis, c'est répondre pour me répondre. Moi, toujours, aimé prouver, montrer ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle j'ai invité la presse aujourd'hui, que je remercie. Je remercie tous les journalistes qui ont accepté de faire gros sacrifices pour déplacer, pour venir juste dans le trou du nord côté nous. Pour venir garder avec yeux ferme ça. L'un d'ab dit tout le temps. Dans la radio, dans la télévision, nous avons dit que ferme dans 42 km de drainage, il y a 36 km de route, il y a 150 km de PVC en batterie. Nous avons parlé de 1750 km de tuyaux en polyéthylène, des tuyaux qui peuvent faire goutte à goutte qui viennent sous terre. Moi, je suis fier aujourd'hui, pour moi, que je suis avec des Haïtiens pareils, des membres de la presse qui sont venus me visiter, venir regarder, venir jouer par eux. Il y a un terrain qui est coupé, terrain coupé chaque 100 mètres, chaque 150 mètres, un drainage qui est coupé. Elle dit, même machine n'est pas à jambes. Elle dit, en fait, nous tous, ouais, avec Dieu par nous aujourd'hui, hein, que son projet qui était fait pour construire Haïti, son projet qui est fait pour que Haïti vienne fierté, son projet qui est fait pour que Haïtien qui a levé campé, Haïtien qui a mis tête au haut, son projet qui est fait pour que Haïti qui a retourné pelle des Antilles. Mais c'est un bon projet qui fait pour détruire Haïti. C'est un bon projet qui fait pour craser la dignité du pays d'Haïti. Et je pense que aujourd'hui, hein, c'est un jour historique et mémorable pour nous-mêmes, promoteurs du projet. Parce que là, moi, je prends une décision, ça vient
n'a pas parlé de 2001. En 2003, moi j'ai commencé à marcher dans tout le pays. Tout bureau en Haïti. 10 ans après, une administration politique accepté le projet ça en 2013. Qu'on y a nous en 2016. Banane commence à sortir ici pour aller à l'étranger. Banane commence à sortir ici pour aller mu, pour vendre, pour faire cadeau dans tout le pays. Moi, pas quoi ça, son bagage qui pas bon pour Haïti. Pour moi, son bon bagage. Et je pense que nous, tout qui là, nous sommes nous voyons que ce sont des bagailles que des Haïtiens conséquents, des Haïtiens qui aiment le pays, te mettent sous pied. Et nous voyons côté nier là, c'est notre savane, c'est notre désert. Si nous devons là 3 ans avant, pas de gagner pour ici. C'est Bayaron qui te vient. Moun pas même capaché là. Tu as un piquant rouge. Piquant rouge là, son piquant, le soleil chaud. Vous passez et puis vous volez le picot, les bottes et tannos. C'est ça que tu as là. Je dis, même tu es ça. Mais ça nous veut réaliser notre tête ensemble. Je suis arrivé, je suis arrivé 3000 paysans sur vous. Terre, c'était l'État, oui, certes. Mais il y a des gens. Les gens ne disent pas que des gens qui sont sous terre, ils ne veulent pas aller. Vous entendez. Mais je suis arrivé, il y a des chefs qui t'ont parlé. Il y a des gens qui t'ont fait. Même Jean-Jodi a nous entendu de mon appel dans la radio. T'es un pile politicien traditionnel. T'es venu 10 paysans. C'était Dessalines, c'était Christophe, c'était Petio. Faut pas quitter grand nègre venu prendre. Mais moi-même, je travaille avec eux pendant 10 ans. Ils comprennent que les regardés, nous t'es tellement semblé. Ils te comprennent que je ne vais pas venir bluffer. Et c'est pas de ça que je viens faire. Jodi a projet à monter. Il y a 3000 paysans là-dedans. Fédération des planteurs agricoles de Pisces, dans le bénéfice qui est bien pour sortir ici, il y a 20%. Et c'est eux-mêmes qui employeurs, avec dit on ouvrier qui travaille ici, il faut ou sortir dans l'association. Et c'est le modèle ça, nous rêver pour tout le pays. C'est ça que je dis moi-même dans la campagne. Moi, je dis que je compte comment pour mettre terre, rivière, soleil là. Avec les gens ensemble, pour nous mettre le pays sur route de prospérité. Route côté pour le peuple, car je viens de manger dans l'assiette. Route côté pour le peuple, car je viens de mettre pour mettre dans la poche. Parce que je dis, l'agriculture, si nous arrivons à moderniser, c'est une plus grosse âme que nous avons pour nous mettre Haïti sur route de développement. Et je finis pour me dire merci. Merci en pile de ce que nous avons fait déplacement parce que nous avons invité nous, mais nous ne sommes pas venus. Mais nous faisons déplacement parce que nous avons droit de réponse à ça. Moi, je dis nous merci. Parce que nous avons droit de décider pas de bon moins. Nous sommes venus. Et ça fait plaisir. Moi, je connais que la réponse à ça que nous avons aujourd'hui, nous parlons pas à travers la presse dans le monde entier. Pour montrer que Haïti, que tout le monde pensait, qu'il a mourir. Haïti ça, son Haïti qui a brûlé d'être de ses cendres. Son Haïti qui est haïtien crémel. Son Haïti qui est haïtien qui veut voyons vivre à clot. Son Haïti qui veut qui gagne haïtien qui a réfléchi à venir jeunesse là. On Haïti qui a des haïtiens qui comprennent que Jean ça te qu'on fait longtemps, c'est retiré pour mettre tête moins, il va pas faire ça comme ça. Son Haïti qui fait nous voir que pouvoir tout, c'est peuple qui baille. Parce que si vous ne voulez pas dans l'élection pour le peuple, bon, vote là. Pour le jour que vous votez pour vous diriger, c'est difficile pour diriger le pays. Nous sommes clairs sur ça, que ce peuple haïtien avec les âmes qui sont dans la carte électorale, c'est seul âme qui permet à un dirigeant politique de diriger Haïti. Ça veut dire que la seule route qui vient pour diriger le pays aujourd'hui, c'est dans élection pour aller. Parce que élection, c'est le ça, c'est dans ça seulement que le peuple s'est dit oui, je veux vous diriger ou bien je ne veux pas vous diriger. Comme dit que mon plantation d'envergure, ça, c'est 12 900 000 mètres carrés. C'est dit, c'est normal, l'offre une plantation comme ça, il faut que les gens pissent pour que l'heure pour une maladie, pour qu'elle fasse épandage.
Parce qu'il y a des maladies pour prendre des épidémies, il faut que son épandage ou faire rapidement, ça veut dire pour un avion qui est un produit biologique. Hein? Parce que je dis, en fond, depuis plusieurs années, il y a des découvertes qui faites sur des huiles végétales qui permettent que plantation organique ou faire des épandages sur eux. Mais nous-mêmes, l'un d'entre monter projet, monter puissance, c'était un bagage qui était secondaire pour nous. Pour qui ça, c'est parce que son zone qui vient longtemps que pas de jardin là-dedans. C'est-à-dire, zone là nous dit terre yo full organique. Et l'unité fait étude sur lui, il était montré que nous avons fait 10 ans dans zone bauxite, on a produit ça nous pas fait de gros maladies. C'est pour ça nous avons priorisé des monde qui leur gain des petits problèmes simples. L'huile ça nous a fait on épandage avec l'huile végétale là à la main. Nous gain 12 monde, 12 ou 14 monde qu'on y a cap faire. Et si nous avons une maladie, nous avons un aéroport qui est tout près nous. On me dit que c'est un aéroport qui est presque. Là, on a un hélicoptère ou descend faire gaz au cap pour venir là pour 4 minutes. C'est-à-dire pour me dire que c'est un aéroport près, on est allé là pour nous faire mettre des produits, pour nous mettre, pour nous faire épandage. Pour le présent moment, nous n'avons pas de piste. Mais pour nous respecter le contrat que nous avons signé, quand même dans la zone de site là, pour une piste, quand même. Pour nous capables de mettre là en stand-by, si tu as une maladie, oui, pour nous capables de faire épandage sous ferme. Parce que la production agricole, aujourd'hui, hein, n'est pas capable de faire n'importe qui. Ce n'est pas même agriculture qui connaît son jardin, ou une manchette, ou une petite barrière, ou aller ou entrer, ou un corridor passer. D'ailleurs, nous sommes tous qui volent une route qui rentre dedans. Son autre agriculture, son autre niveau, nous voulons faire la production agricole en Haïti. C'est ça que fait nous répondre pas bien plus aujourd'hui oui mais non futur on pensait que ça la bonne nécessité pour zone de production ça qui sont grandes zones de production par l'étendue sur presque 60 000 hectares. Deuxième partie question c'est exportation nous faut dire qu'on a vendu haut de gamme là, qui ça veut dire l'or ou récolté sort prend comme plus bon hein? C'est les mêmes blême dit plus bon c'est pas plus bon en termes de qualité de goût c'est en termes de grosseur. C'est les mêmes ouvriers de l'autre bord. Nous avons travaillé, nous voyons plusieurs cargaisons aller déjà, depuis l'année commencé. Mais il faut dire pour descendre dans le décampé, pour ça nous décampé, c'est parce que le volume que nous venons faire vient obliger nous finir avec le centre de conditionnement que nous sommes visités là. Le centre de conditionnement, nous avons un délai d'ici peut-être à la fin de ce mois pour le finir, pour nous capables de recommencer. Avec grande exploitation que nous t'ai dérapé déjà parce que combien nous commencer capable une capacité pour nous faire plusieurs conteneurs semaine à dire faut nous un centre de conditionnement fini et c'est ça qu'il faut un technicien qui travaille là et au travail 1er janvier au travail 2 janvier au travail 31 décembre au travail 24 décembre pour nous capable finir avec système là pour nous capable commencer réellement à partir du centre de conditionnement parce que première exploitation nous j'en de commencer faire dans marché passé c'est des piscines provisoires que nous installé on y a là compagnie cachetée, non mais nous avons demandé pour le système définitif fini pour vous voir visiter, pour vous bailler OK et puis pour nous déraper. Ça veut dire que c'est dans phase ça que nous sommes. Troisième question, les vannes mûres sur le marché local. Là. Mais pas oublier, Haïti sont grands consommateurs de bananes. Lorsque vous venez acheter des bananes dans la vente, ou vannes dans la ferme, ou pas qu'à contrôler le prix marché, le prix de détail. Là. Par exemple, il y a des jours, il y a des petits marchands qui ont acheté le régime banane 50-75 gouttes là. Même pas qu'on ait qui pour le vendre, les vendre dans le marché. Même j'ai fait banane. Nous avons une usine, on mûrisserie, qui aurait ça en français, qui s'allie, son usine côté, on prend banane dans le verre, on met là dans une température contrôlée, mais mon ami, pour le principe, bon, nous, côté, nous installons. On met là en température contrôlée et puis banane dans mûre après 5 jours. Nous avons mûr. Nous avons une capacité pour nous faire mieux 80 tonnes de bananes chaque semaine. Pour un monde qui a 80 tonnes, c'est 4 conteneurs 40 pieds. Nous avons une capacité à installer. Mais en fait, quand nous avons fait, bananes, nous vend dans la market. Des marchands qui achètent des caisses là, ça a 500 gouttes, on caisse de bananes mûres. Que nous avons un échantillon là pour nous montrer un échantillon de caisses vides qui caisse liées. Et nous distribuons dans la market. Mais fond dit tout, nous avons des sponsors. Dans la campagne là, qui achetait tout dans nous fait distribution gratuite sous Port-au-Prince. Dans pile quartier dans Port-au-Prince, côté nous distribuons bananes
gratuitement tout et en pile moun konnen au cap nous fait distribution gratis Gonaïve nous fait Saint-Marc nous fait Mibale nous fait Rinche nous fait li Jacmel nous te fait Jacmel nous fait Miragouane c'est dit nous qu'on n'a pas pour nous faire dans toute grande ville pays hein, côté pour nous faire moun yo commencer gagner on habitude avec fig banane pour prier prier baisser c'est la loi de l'offre et de la demande n'a goumen pour nous pour offre là pour nous offre qui réellement capable qui capable river dans niveau de demande là nous penser automatiquement que nous river dans niveau ça prix banane en Haïti nous croit que le gain pour le baisser et l'on t'a parlé de caisse là mais si nous regarder grosseur caisse ça son caisse qui ont capacité qui capable de jusqu'à 10 18 kg ça veut dire presque 40 livres banane qui vendent pour 700 gouttes. C'est-à-dire qu'il y a pile pas de figues mûres qui dans ça. Là, on a parlé de figues mûres. Ce n'est pas bon, pas par régime. Ce n'est pas pâte. C'est-à-dire ça, c'est pour ça que nous venons sur le marché. Mais, malheureusement, le monde qui achète là, lui-même, il a décidé de faire 300% sur lui, 400%. Mais il a travaillé pour que le pays ait une quantité de bonnes qu'il faut pour que le marché noir soit capable de résoudre le problème. Le peuple là, il a invité pour aller voter le 24 janvier déjà. Je vous dis, c'est 10 janvier. Va? Dans 14 jours, c'est l'élection. Parce que là, nous disons, dans 14 jours, c'est 24. C'est l'élection qui parle. Même Abdoul, dans tout ça, me fait comme analyse, je me dis, ça n'a pas bien l'élection 24 janvier. Élection tête droite 24 janvier. Seulement, je me demande, l'institution pays mieux pour prendre responsabilité. Conseil électoral. Le gouvernement de la République d'Haïti. Pour le peuple la sécurité pour aller voter. Parce que quoi le peuple a besoin pour aller voter, c'est sécurité le besoin pour aller voter. Et moi-même, moi, quoi l'institution pays, même j'ai voté par sécurité 25 octobre, moi connais pas le bail. En pile sécurité pour le peuple haïtien sortir en masse pour sortir à voter. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui baille. Il ne faut pas avoir pression pour prendre le pouvoir. Il faut voter pour le voter pour gagner le pouvoir. Automatiquement, que le voter, mon président, pays. Mon président tout haïtien. Mon pas président groupe haïtien, mon pas président groupe. Seul conseil moi ba tout moun jodi, k'ap tande m, k'ap gade m, c'est prendre chemin vote là à le voter. Parce que conseil électoral là qui sont institution, c'est pour organiser élection, il clair. Gouvernement haïtien clair, il invite peuple là déjà pour aller voter. Maintenant, un citoyen ou rien doit gagne opinion. Ça c'est droit. Ou. Mais en institution bon respect que me pensais que nous supposé gagner pour lui et peuple haïtien tout bon respect pour nous gagner pour lui peuple haïtien il choisit quand parle sur élection c'est quand pas peuple haïtien ça aujourd'hui moi même c'est dans quand ça met tout dans quand élection ça veut dire Haïti toujours gagne crise politique pour résoudre crise si me dit pas jamais gagne crise en Haïti c'est faux mais en fait nous choisit quand peuple là c'est élection. C'est ça peuple a choisi aujourd'hui. Le peuple a choisi pour aller à l'élection. Moi-même, moi, c'est candidat. Moi, choisi 24 janvier pour me faire campagne, pour demander au peuple à m'encourager pour aller voter, pour demander l'État pays Haïti à sécurité, avec sérénité, pour que le peuple soutienne à le voter. Deuxième question, l'argent pour projet ça a deux sources. Les gens pour actionnaires, moi-même, moi, c'est et puis il y a un prêt FDI qui sont institutions financières que m'a prêté là-dedans depuis 2000. C'est dit moi même comme moun qui t'ai prêté payé déjà, yo prêté mon corps. C'est ça me pour tout moun clair. Si m't'ai prêté m'pa te payer, yo pa t'a jamais prêté mon corps. Ça veut dire m'ta pas un mauvais payeur. Ça veut dire jodi en forme dit publiquement que Kobla commencer payer. Ça veut dire y a plus que 30 millions de gouttes qui payé déjà. Et nous recevons Bordeaux, m'a regardé dans email pas plus qu'avant hier mon Bordeaux vini pour gagner des paiements, c'est des factures qui vini pour gagner des paiements qui fait. Ça veut dire actionnaire projet a connaît ça très bien tout le monde qui est actionnaire dans projet.